What's up les amis, j'espère que vous allez bien et ce soir on se retrouve pour un nouvel épisode d'Un jour un lieu et cette fois-ci nous irons sur le lac Courage. Alors effectivement, à côté de l'atmosphère détente des rives du lac Courage, il y a ce fameux lac où dedans trône le fameux Pokémon Courage, du coup, Crefalet, qui sera d'ailleurs très attaché à Sacha dans l'animé. Mais ce lac, même si on n'y fait que passer quand on vient pour gagner nos arènes et tout, une fois après avoir gagné l'arène de Joliberge, donc à l'autre bout limite du continent, on se retrouve appelé par le professeur Sorbier, une fois qu'on est à la bibliothèque de Joliberge, on va nous dire tout simplement qu'il faut aller au lac Courage parce que des secousses terribles ont été entendues, et on a même ressenti les secousses parce que la Team Galaxy a décidé d'éclater le lac et de l'assécher avec une bombe galactique qui a permis du coup à Saturne d'aller tenter de capturer Crefalet. Une fois que l'on se rend sur le lieu, la vision est apocalyptique effectivement. On voit des Magikarp à droite, à gauche, de partout, et quelques membres de la Team Galaxy dans le lac. On les affronte, évidemment, le joueur les bat, on les poutre, et on rentre dans la caverne du lac Courage. Et là, on voit Saturne, pour la première fois d'ailleurs, qui nous dit ces quelques phrases. Et après cela, nous l'affrontons, nous le battons, mais il nous informe que finalement, la mission est déjà une réussite, le Pokémon est capturé. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont éclaté le lac, c'est tout simplement pour le capturer plus facilement, parce que, à ce qui paraît, il se cachait. Et donc, Saturne, évidemment, employait les moyens totalement faramineux et rapides qu'est la bombe galactique. Pour le coup, au moins, ça, c'était sûr, le Pokémon, il allait apparaître, il n'y a pas de souci. Là, il est bien capturé, vous en faites pas. Mais il nous informe, du coup, après l'avoir battu, que Mars est déjà sur les rives du lac Vérité, est déjà en train d'affronter sûrement des personnes, et sûrement le Pokémon Crefalet est déjà capturé. Et du coup, c'est après que l'on s'y rend. Et voilà, en espérant du coup que cette petite vidéo très rapide vous aura plu, hein, vous pouvez vous référer du coup à l'ancienne vidéo pour voir un peu la permutation entre les deux. En espérant toujours que ce concept-là, certes très rapide, parce qu'il y a moins de choses à dire, hein, sur la Courage, vous plaît toujours. Et je vous dis à très vite, hein, d'ici 4 jours, pour le dernier lac qu'on fera du coup, c'est le lac Savoir. Et là, il y a des choses à dire. Il y aura des choses à dire intéressantes.